Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 2 de Sonic Adventure DX. Donc on commence dès le départ dans la Red Mountain. C'est niveau Red Mountain. Donc là je cut direct à droite. Le cut que j'avais oublié de faire dans la première partie. Voilà, petite évolution déjà, attention. Et là je fais exactement pareil que dans la première partie. J'ai pas grand chose à dire. J'ai aussi refait Twinkle Park. Parce qu'il y avait un cut que j'ai trouvé tout seul comme ça. Pour une fois, pas l'aide d'internet, non? Oui, parce que la plupart des bugs là, des glitches que je vais faire, ça va être quand même être pris de d'autres runners. Donc voilà. Donc là déjà je me mets en free caméra. Ma caméra libre, tout simplement. Pour pouvoir voir ce que je fais. Parce que sinon je pourrais pas voir ici. Je saute direct ici. Et là regardez, voilà. En allant complètement à gauche et en avançant à fond. Et bien vous voyez qu'on atterrit direct ici. Au lieu de compter les 4 diodes là comme je l'avais dit avant. Ça c'est bien plus rapide. Donc en fait je n'ai pas pris le raccourci finalement au début. Voilà. Et en fait, bah, c'est plus rapide. On va à gauche, là, direct. Sachant qu'il faut un peu faire pencher la plateforme vers le haut. Voilà, pouvoir monter direct ici. Là, vous pouvez voir qu'il y a une pente parfaite pour faire un speed cut. Un speed cut. J'ai du mal à parler. Speed cut. Ou spin. Non, c'est spin cut. Et vous allez voir que je vais voilà, finir le niveau en 2 minutes. C'est la classe. 2 minutes 75, voilà. Yes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a de la skill. Hein. C'est complètement différent de la première partie. Allez, vous avez pas tout vu. Vous allez voir des glitches ahurissants. Bien sûr, la plupart des glitches, c'est des glitches que je ne pouvais pas trouver de base. Hein. J'ai repris ça de d'autres runners. De d'autres speedrunners. Donc voilà, là c'est vraiment un thème que... Bah, l'un de mes thèmes préférés de Sonic Adventure DX. Le thème de Sky Deck. Je le trouve magique. Il y a eu plusieurs remixes d'ailleurs de ce thème dans le jeu. Là c'est la première version. Attention, attention au bout de le pic. Voilà, bah là on va direct ici, enfin là, c'est pas très original. C'est juste ici là je vais faire un cut. Très difficile à faire. Je ne savais même pas que c'était possible. Et bah en fait, bah là déjà je vais. Je vais me viander 3 fois, hein, vous allez voir, cette magie. Mais bon, c'est pour l'instant mon meilleur temps. Là, je vais me reviander. Ah, quoique. Ah non, non, c'est bon. C'est good. Ouais, c'est vraiment... C'est au pixel près, là, faut pas se planter. Quoi. Et donc, comment je fais? Bah, en fait, je vais... J'essaie de faire un spin dash en diagonale par rapport à la plateforme, à la petite plateforme sur laquelle j'étais, voilà, pour avoir un peu plus d'espace pour pouvoir faire correctement mon spin cut. Voilà. Je sais pas si vous avez tout compris. Là j'ai fail. Parce qu'il faut savoir que le vaisseau il fait que de bouger dans tous les sens et voilà, je cut ici, j'essaye, j'ai pas réussi. Petit fail. Là c'est bon. Vous allez voir aussi que je vais enlever une grosse portion du niveau juste après. Là on sprint le plus vite possible en faisant que de sauter et spin cut à chaque fois en bourrant les spin cut. Là j'ai eu énormément de chance que le canon vienne sur moi. Ça j'ai pu l'avoir très rapidement.
Voilà, j'ai pas besoin de la caméra parce que je suis un beau gosse. Tout simplement. Et voilà, là en fait, comment expliquer, c'est ce niveau là c'est la gravité qui change de sens en fait dans ce niveau là la gravité qui change de sens. Normalement on n'est pas censé passer direct ici. Normalement bah, la gravité change de sens avant que je fasse mon spin cut, voilà. Mais j'ai eu le temps de faire mon spin cut et d'aller direct ici. En fait faut aller assez rapidement avant que le vaisseau tourne, tout simplement. Donc ice cap maintenant. Niveau de glace. Et bah, vous allez voir, bah, déjà là je commence par faire un petit cut ici. Aller direct ici, c'est bien plus rapide. Et vous allez voir là, je... Bah, c'est le cut fait maison par contre, là c'est moi qui ai fait ce cut. Parce que je crois que le speedrunner, lui, il va à droite, je sais pas comment il fait, pour aller direct sur la porte. Il passe au travers de la porte, je sais pas comment il fait. Alors que moi je vais devoir l'ouvrir. Mais bon, après ça doit être... Après je sais pas, hein, peut-être que... Enfin non, pourtant il jouait à la manette, c'est ça qui est fou. Il avait réussi à faire ça en jouant à la manette, alors que en comment ça s'appelle, bon là voilà, je fais un magnifique glitch. Vous voyez, hein, le jeu n'est pas très bien coté. Ah, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, un tool assisted speedrun, bah, c'est quelqu'un en fait qui utilise juste un logiciel pour pouvoir faire c'est pour pouvoir appuyer bouton par frame, voilà. C'est chaque frame, on peut appuyer sur un bouton, donc ça peut donner lieu à des trucs de fou. À chaque frame, on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est bien sûr, c'est impossible d'être aussi précis quand on fait pas le tout l'assistance de speedrun. Quand on fait juste à la manette classique. Et là, comment expliquer ce cut, enfin ce glitch plutôt, magnifique. Bien, c'est qu'en fait, juste à gauche, vous avez vu, juste à gauche du mur de neige, juste avant d'aller à l'avalanche, là en fait j'ai skippé l'avalanche. Hein. La phase avec l'avalanche qui est assez longue, j'ai complètement skippé. Vous avez vu d'ailleurs que le jeu n'a rien compris et le temps s'est arrêté, bien sûr. Et donc, comment expliquer, bah... C'est que il y avait un moment à gauche, il y avait une collision qui était à peu près, je dirais, 40 degrés avec une autre collision. Et donc on va au milieu de ces deux collisions et bah, on passe au travers. En gros, c'est ça. Après, je dis les degrés au pif. En gros, des collisions qui est deux lignes de collision qui n'ont pas le même angle. Bon, en free caméra, c'est très important pour speedrunner. Et là, voilà, on va carrément derrière et ça nous permet bah, de skipper une grosse partie du niveau. Parce que pourquoi, en fait, on est dans une espèce de tour comme ça aussi. On peut le skipper facilement en tombant. Sauf que le problème, c'est que bah, y a des déclencheurs de mort. Quand on tombe, voilà, bah, même si on tombe bien sur la plateforme qui est bien en dessous, genre je sais pas, elle est à peu près à 100 mètres en dessous, même si on tombe bien dessus, et bah, on est mort. Alors que là, bah, on évite les déclencheurs de mort, quoi, en gros. Parce qu'on n'est pas dans la tour, on est à l'extérieur. Là, c'est assez spécial, là, faut compter à peu près jusqu'à 5. Quand on fait notre spin cut, pour pouvoir tourner un peu légèrement vers la droite et pouvoir après gérer un peu bah, la fin, pour pouvoir tomber sur cette plateforme, ce qui est vraiment pas facile, hein. J'ai mis au moins je sais pas combien de temps à faire ce glitch, je pourrais pas vous dire combien de temps. Alors Twinkle Park, ah bon, là ça va être plus classique, hein, niveau glitch. Même si j'ai un glitch que j'ai réussi à faire, mais que j'arrive à faire une fois sur 100, bien sûr. Et j'ai eu la chance une fois de le réussir, mais j'ai fait de la merde après. De toute façon, je vous montrerai ça après le générique. Ce sera vite fait.
Donc là voilà, là c'est, vous avez vu que j'ai cuté complètement, parce qu'on peut aller assez facilement sur sur le muret, on va dire ça comme ça, hein, sur la tête de muret, le muret vert là. Et bah, on peut aller facilement dessus quand on saute. Là par exemple, je peux aller direct à gauche sur le muret, ce qui nous permet bah, de cuter, parce qu'on a vu que on a vu qu'il y avait juste en dessous la suite du parcours. Et bien sûr, j'aurais pas trouvé ça seul. Un petit speedrun et voilà. Mais voilà, je trouve ça sympa de le faire moi-même. Moi, je vois vraiment comment ils font pour faire leur glitch. Voilà, j'ai pris la montagne russe et là, vous allez voir un petit cut. Voilà. Petit cut vraiment pas compliqué, mais c'est le cut fait maison, voilà, c'est moi qui l'ai trouvé, hein. J'en suis fier. Et donc, voilà. C'est un cut assez sympatoche. On se met sur les barils et c'est bon. Hein. On a assez de hauteur pour pouvoir sauter au-dessus de la clôture. Donc sur ce, on se retrouve direct après le générique. On se retrouve pour Twinkle Park, le magnifique glitch que je n'ai pas réussi à faire à 100%. Donc en fait, ça consiste tout simplement à faire un homing attack juste avant de tomber ici. Pour pouvoir bah voilà, ne pas déclencher le trigger quoi, avec la montagne russe. Donc là, j'ai réussi à aller jusqu'au château en se faisant un spin cut. Spin cut millimétré, vous avez vu. C'est pour ça que j'y arrive presque jamais. Et là, je me rends compte en fait que j'aurais pu utiliser mon cut fait maison juste après. Ça aurait été hyper rapide. Donc je me dis, ce Twinkle Park, ben, je le ferai, je le referai peut-être dans Sonic Adventure 2 Battle. Voilà. Le speedrun Sonic Adventure 2 Battle. Et d'ailleurs, j'avais regardé vite fait mon let's play, quelques parties de mon let's play de Sonic Adventure 2 Battle, et j'ai trouvé quelques cuts comme ça en regardant à faire. En fait, surtout en regardant qu'on peut trouver des petites techniques qui peuvent marcher, ou peut-être pas s'il y a un mur invisible, bien sûr, faut essayer. Donc voilà, et puis je trouve ça intéressant, moi, je trouve ça intéressant d'être speedrunner. C'est ce nouveau concept. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que des fois je joue vraiment comme une bouse, mais on peut jouer comme une bouse à un jeu de plateforme comme, je sais pas moi, Jak and Daxter. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais on peut jouer comme un demi-god à un Super Mario Bros ou un Sonic Adventure. Voilà. Donc voilà, sur ce, j'ai dit un peu n'importe quoi à la fin. Sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures. Et je pense que bah, la prochaine run, ça sera sur DuckTales sur NES.